Ladies and gentlemen, on va passer sur le coaching, du coup, si ça vous dit. Et si ça vous dit pas, bah j'en ai rien à branler. Bonjour. Bonjour, ouais. Je crois qu'on dit ça. Ça va ? Non, ça va pas, là. Pourquoi ? Parce que là, je viens de voir que j'avais 40 mégas, donc j'ai un problème de connexion. Ok. Et c'est réglé. On peut y aller ? Ouais, c'est bon, c'est nickel. La caméra, on peut la voir ou quoi ? Beau gosse, c'est tout. Non, j'étais sur une vidéo YouTube, je parlais pas de toi. Tu live en Russie ou pas ? En Russie ? Pourquoi ? Si je puis me permettre des petits conseils de déco, les murs sont un peu trop chargés. Je pense qu'il faudrait que j'enlève des tableaux, c'est ça ? Exactement, et des posters. Ouais, ouais. Parce que là, c'est chaud. Tu vois pas, mais c'est que des posters blancs en fait, c'est pour ça. Eh ben exactement. Right. Remember it. Allez, c'est parti. Pseudo, Isirix. Prénom. Marius. Âge. J'ai 19 ans, 5 jours. Ville. J'habite à Amiens. Ah oui, d'accord. Que vraiment pas ouf. Comment ça, pas ouf ? Très bien. Activité, emploi, tu fais quoi ? Donc moi, à la base, je travaille dans un traiteur événementiel. Tu peux mettre cuisinier. Actuellement, je fais rien vu que c'est sur des périodes. Cuisinier, du coup. C'est ça, voilà. C'est quoi ton plat préféré ? SVP, un bon cuisinier dira un bon truc. Plat préféré, vu que je suis quand même de Picard, je dirais que c'est la Picard. La quoi ? Ah, la ficelle Picard. C'est une crêpe salée. C'est ça, mais c'est pas vraiment tourner comme une crêpe, c'est vraiment un espèce de boudin en fait. Ouais, je suis en train de regarder des photos, c'est vrai que ça... Ça donne pas trop envie, hein, dit comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Ouais, vous avez piqué un truc à la Bretagne, comme le Mont-Saint-Michel. Sensibilité horizontale verticale. 5-5 de mémoire. Sur un 800 DPI 1000. Sachant que je suis en 3,5 aussi. C'est peut-être un peu rapide, quoi. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Sensibilité en ADS et en particulier le 1.0. Et je les joue default. 50 partout. Ça me paraît un peu beaucoup, 50 partout quand même. Polling rate, la fréquence de rafraîchissement de la souris. 2000. 3,5 du coup, pour combien de FOV ? 88. Ok, je lance le jeu et on y va. Alors du coup, t'es quoi comme grade là ? Actu, là, je suis S3, S2 là. C'est quoi S3, S2 ? Silver 3, Silver 2, Argent 3, Argent 2. D'accord, ok. Donc on peut le dire entre nous, sur Rainbow Six, tu sens un peu la croquette quoi. Allez, bien évidemment, l'AI, ça nous permettra de voir 2-3 trucs. Et après on dit... C'est parti, je me tue. Elle tirait Vinceau, il passait droit au campus. Fantasia est passée droit au campus. Pour Culito, passez droit au campus. Basserke, passez droit au campus. Avec IQ et tout. Tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un truc un peu exceptionnel. On va partir en enquête. On va écouter tes calls. Il y a eu des clés morts mises déjà ? Non, à la porte. Bon, voilà. C'est bon. Là, on va prendre le garage maintenant, mais on va ouvrir de l'autre côté. T'as des clés morts ? Ouais, clés morts. Je te fais une ligne. Viens avec moi. De l'autre côté. Bouge pas. Le top du garage est clear. Le top du garage est clear, ce qui est une erreur pour eux, d'accord ? Fais le tour, rentre dans le garage. Y'a rien à l'intérieur. Vas-y, go. Regarde le 3 marches, tu pushes, tu prends l'info. Stop. Nice. Essaie d'avancer au niveau du catwalk, prends le contrôle du catwalk. Il y a ça à péter. Il va planter, mais il va mourir, c'est sûr et certain, ok ? Une fois qu'il est en train de planter. You can go and plant in 3, 2, 1, go. Et vas-y. Et là, on se fait plaisir. C'est fini. Le round est fini pour eux, terminé. Il y en a un fenêtre serveur. Je leur donne des free kills. Parfait. Ouverture du T1. Là, est-ce qu'ils ont été meilleurs, machin, truc bidule ? On s'en bat les couilles. Qu'est-ce qui fait qu'on gagne ? On est juste dans une logique de travailler convenablement. On respecte la stratégie du jeu, basique. Ouverture du T1 égale ça split le bomb site. Une fois que le garage est tombé, prise du garage, on peut planter en face du serveur. C'est toi qui reste là ? Pas du tout, non. Ok, bon, il y en a un qui a déjà live chez nous. Ça sert à rien, ils veulent pas jouer. Viens, on se casse. En avant. Coucou. Je
Bon, c'est pas trop mal, tu portes tes balls. Bon, après, tu passes par l'endroit qui est le plus compliqué à négocier. Là, c'est vraiment en mode vas-y, on y va, on se la colle. En plus, tu balances une smoke. C'est pas les mêmes smokes que Counter, mais bon, il y a quand même logique un peu à la Counter-Strike. La smoke, elle favorise pas forcément le push. À la limite, elle favorise un plantage à l'intérieur, mais il y a de grandes chances qu'en sortant de la smoke, ce soit moi qui te vois avant toi. Smoker l'endroit où je suis pour dire bah si tu passes à travers, je te nique, c'est pas mal. Smoker l'endroit où tu vas aller, bof. C'est quoi le problème là ? La cover surtout, non ? Y a pas vraiment besoin de mettre des trucs de Valkyrie. Y a juste besoin d'être sûr et certain que l'endroit où je vais arriver, où tu penses que je vais arriver, qu'il y a un truc rigide entre toi et moi. Là où t'étais au niveau de la bombe, j'avais qui comme opérateur ? Tu avais Ace. Bon bah alors, est-ce que ça représente un problème si je pushais au niveau du Ace de gauche là ? Là où j'ai fait l'ouverture du T1, si tu restais derrière la bombe, est-ce que c'était un problème ? À un moment, t'as essayé de péter le drone. Du coup, tu peux même aller jusqu'à péter le drone, tout en étant pas naïf sur le fait que je puisse te bait, puisque si je utilise le drone, si le drone est utilisé, c'est que je suis pas en train de jouer. Le drone, c'est mon meilleur ami, hein. Pas oublier ça. Dans l'idée, c'est quoi là l'erreur qu'on pourrait reprocher ? Le problème, c'est que sur Rainbow Six, chaque mètre en avant est une grande victoire. D'où le fait tout à l'heure, donc on disait de pas utiliser trop la touche de sprint. À la limite, débind ta touche de sprint ou fais-la sauter de ton clavier pendant un certain temps. Ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser le sprint, un des éléments importants de Rainbow Six. À partir du moment où t'étais rentré dans ce bomb site et que tu commences à caper, je suis pas sur l'objectif, tu es sur l'objectif. Chaque mètre que tu fais en avant, c'est une information qui peut m'être donnée. Y a pas vraiment besoin d'y aller. Au moment où tu es en train de caper, vaut mieux à la limite être en mode silencieux, balancer la smoke et écoutez, parce que forcément tu viens de placer tes pions. Les pions, c'est je suis sur l'objectif, je suis en train de caper, à ton tour de jouer maintenant. Parce que si je suis en train de caper, c'est que t'es pas avec moi, ce qui me donne une information capitale sur où est-ce que tu pourrais être, dans le closet, à la porte où t'as balancé la smoke, ou au niveau de la porte des toilettes. T'étais à peu près sûr que je pouvais pas venir de la librairie, t'avais compris le move de la rotation. Donc il y avait trois possibilités pour toi, et toi t'as couru vers celle-là. Si j'avais été dans le closet, t'étais mort. Si j'avais été à la porte dans laquelle j'ai smoké, t'étais mort. Et si t'avais couru vers moi au niveau des toilettes, t'étais aussi mort. Donc le truc, c'est de se dire, quelle a été mon erreur ? L'erreur, c'est, tu smokes, c'est pas trop mal, machin, truc bidule, tu utilises Yana, pourquoi pas, etc. Mais au moment où tu rentres, là, j'aurais fait le même move que toi, sauf que j'aurais pris direct contact à gauche, en mode slow, tu vois, pour pas faire de bruit, et dire, bah, à toi maintenant d'en faire. C'est un jeu d'info, Rainbow Six, avant tout. Les éléments de perspective, Valo, ils en ont énormément parlé à un moment sur les problèmes de perspective qui pouvaient être rencontrés. Tu vas avoir un truc comme ça. Ouverture de l'angle, c'est ça, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on coupe une tarte. C'est un truc de CQB de base, mais c'est un truc qu'on utilise énormément dans les jeux vidéo. Pourquoi est-ce que du coup, quand il est en train de décaler, du coup, il met la ficelle pour essayer de faire comprendre justement qu'est-ce qu'il doit viser. Même dans la vraie vie, dans le CQB, on se penche sur le côté pour essayer du coup d'exposer le moins de choses possible pour aller prendre des informations. Et l'autre élément, il pourrait très bien cut the pie made in Rainbow Six, le plus proche possible du mur. Et pourquoi il le fait pas ? Pour la meilleure perspective, du coup. Exactement. Si j'ai cette boule qui est ici, c'est la tête du bonhomme. On imagine très bien que si le mec là, il est en train de se pencher sur le côté et qu'il a la ligne, il expose pas grand chose. Très bien en revanche que la même taille de l'autre côté, si ça faisait à peu près la même taille et que je venais ici, je peux même pas rentrer là. Je serais donc forcément ici, partant du principe que lui se penche sur le côté droit, lui va se pencher sur le côté droit même en étant penché complètement à gauche parce que Rainbow Six, la vision est au milieu et il va de toute façon dépasser son épaule. Quand bien même lui est en train de décaler ici, s'il faisait une décale qui ne serait pas une décale large, on imagine tout à fait que dans le mouvement qu'on a
est en train de faire, je vais être beaucoup plus exposé que si en face, j'ai une autre personne de même proportion et qui est en train de faire le même truc, lui du coup, pour les mêmes personnes, si on partait du middle et qu'on allait lécher l'arête, voilà ce qu'il va voir. Lui, l'ennemi, voilà ce qu'il voit. D'un côté, là, il le voit pas, pour la même décale, donc eux vont commencer à peu près à se voir tous les deux de la même distance, parce qu'ils sont à peu près à la même distance. Lui et lui sont à peu près à la même distance de l'élément qui les sépare. Si je décale totalement à côté de la porte, là, toute ma partie de gauche qui va être exposée avant que moi je puisse voir quoi que ce soit. On comprend assez facilement que sur le mouvement, s'il avait à peu près la même taille, lui, il le voit, commence à voir son épaule à peu près ici, du coup, sur la ligne. Le bonhomme en bas voit la ligne du bonhomme vert à peu près ici, alors que le bonhomme vert, et en particulier sur Rainbow Six, voit absolument rien du tout, lui, alors que l'autre le voit. C'est important, du coup, quand même, d'avoir ce truc, de se dire, ces deux mêmes joueurs ne sont pas des joueurs différents. Ces deux mêmes joueurs ici et là sont les mêmes joueurs. C'est toi là et c'est toi là. La seule différence, du coup, ça c'est toi qui va faire le bon move et ça c'est toi qui va faire le mauvais move. Donc par rapport au truc qu'on a vu derrière ici là, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt, si on est dans un environnement qui est fermé, pourquoi est-ce qu'il y a un intérêt à venir décaler ce qu'on appelle large, et en particulier si on vient coller le mur le plus large possible, plutôt que décaler pas large en faisant ce move là. Contexte, c'est toujours mieux d'être en mouvement que d'être statique. Absolument, sans compter le fait que tu auras le pick advantage, c'est-à-dire qu'au moment où toi tu vas prendre l'information, le mec qui est en face de toi ici, en vrai, internet va dire que, bon c'est un peu schématisé, mais va dire que ta hitbox, l'endroit sur lequel lui peut tirer, elle est plutôt là en fait, elle est complètement décalée sur le côté droit, alors que lui, s'il ne bouge pas, sa hitbox est de facto au même endroit où le serveur le voit et où tu le vois, ou alors s'il fait un mouvement vers l'avant, parce que sa hitbox est derrière mais elle prend quand même, mais à la base c'est parce que j'ai pas d'information que je suis en train de faire ce mouvement là, en léchant mon arête, c'est parce que j'ai pas d'information. L'avantage sur Rainbow Six, c'est que bon, t'évolues pas dans un environnement que tu connais pas. Tu sais quelle est la taille derrière du truc, donc tu sais à peu près où est-ce qu'il peut y avoir une personne. Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il soit contact à gauche? Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il soit à 3 mètres, à 2 mètres? De savoir si tu vas avoir un avantage ou pas. Du coup, Izeric, ça va être tout pour ce soir. Est-ce que t'as des questions? Ah non, écoute, ça a vraiment de questions en plus que ça. Hein.